Alors Xavier, tu as dû t'en rendre compte, mais pendant qu'on tournait les images avec la 147 GTA et la Quadrifoglio, il y a Jérôme qui nous a rejoint avec son Alfa Romeo 33, qui est un puriste en Alfa Romeo aussi, et qui va nous faire aussi bah, du coup, une brève présentation de sa voiture. Salut Jérôme, merci, bienvenue sur Test and Driving. Salut. Alors, parle-moi de cette Alfa Romeo 33, parce que là, franchement, tu nous bluffes à venir nous rejoindre avec cette version siglée du trèfle Quadrifoglio VAB. C'est une des toutes dernières Alfa 33, on a un litre 7 CSV, 1991, donc les derniers modèles sortis. Donc, c'est un moteur boxer, les anciennes générations de moteurs Alfa Romeo. Qui développait à l'époque 137 chevaux, ce qui était pas mal à l'époque. Ouais. Voilà, c'était la concurrente directe des 205 GTI de l'époque. D'accord, elle est très belle en tout cas. C'est vraiment une voiture particulière en ligne, hein. Franchement, elle est surprenante. Hein. Une voiture qui est très très basse, on a l'impression d'être dans un karting. Ouais. Ouais, c'est une voiture qui a été. C'est ma toute première voiture. J'ai eu donc en 1998 et je l'ai gardé toujours en excellent état, toutes que des pièces d'origine, elle n'a pas changé d'un poil. D'accord. Ah ouais, alors le capot s'ouvre à l'envers. Le fameux. Ah oui. Le fameux 4 cylindres à plat. On a vraiment la sonorité particulière du boxeur. Et alors, au niveau de l'échappement, sauf erreur, on doit avoir un petit bruit assez sympathique. Superbe, magnifique. Bah écoute Jérôme, un tout grand merci de nous avoir présenté ta voiture, nous avoir rejoint surtout. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on prenne rendez-vous courant 2022 pour réaliser un essai de cette voiture. Ah bah avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Et les amis, on manquera pas d'essayer 733. Décidément, eh ben écoutez, il n'y a que des alphas. Hein. C'est...